Bonjour, oui, je sais, c'est les vacances. Et d'ailleurs, à propos de vacances, je voudrais vous signaler avant de commencer deux lectures qui vont avoir lieu au mois d'août avec Delphine et Laetitia, le samedi 5 août à 10h30 pour les enfants à partir de 3 ans. Entrée libre, pas besoin d'inscription, pas de souci. Ça, c'est le 5 août. Et la deuxième lecture, ce sera le samedi 26 août à 10h30 toujours, cette fois-ci pour les tout petits, les moins de 3 ans. Là, il est quand même important de réserver sa place auprès des libraires. Ça, c'est pour les vacances. La petite vidéo que nous allons faire maintenant, elle concerne déjà la rentrée de septembre, avec notre programme que nous allons vous dévoiler pour le mois de septembre. Nous commencerons dès le vendredi 8 avec une rencontre en prélude au Salon des mobilités actives et durables. C'est une activité à l'initiative de l'association des commerçants et artisans Centre Halles et de l'association La Roue Libre. Nous recevrons à 18h à la Galerne Arnaud Bénureau, Philippe Coupi, Isabelle Bailleul et nous parlerons ensemble, bien sûr, de vélo et de cyclotourisme. Suite de notre programme et nous débuterons le programme de la rentrée littéraire avec Natacha Appana, qui sera notre invitée le jeudi 14 septembre à 18h. Natacha Appana, vous le savez, elle a déjà écrit notamment Tropique de la violence. Elle viendra pour son nouveau livre La mémoire délavée, livre qui paraîtra le 31 août aux éditions Mercure de France. Poursuivons dès le lendemain avec le vendredi 15 septembre à 18h, toujours Caryl Ferré, que nous aurons le plaisir de retrouver pour son nouveau livre Okawango, qui paraîtra le 17 août aux éditions Gallimard. Le retour à la Galerne de Serge Joncourt. Nous le retrouverons pour qu'il présente son roman de la rentrée littéraire, Chaleur humaine, un roman qui paraîtra le 23 août prochain aux éditions Albin Michel. Thomas Reverdy également sera notre invité. Il viendra le jeudi 21 septembre à 18h pour la présentation du livre Le Grand Secours. Le roman paraîtra le 23 août prochain aux éditions Flammarion. Comme l'année dernière, la librairie La Galerne sera partenaire de la deuxième édition de l'événement scientifique Sur les épaules des géants. Vendredi 22 et samedi 23 septembre, cinq rencontres sont programmées à La Galerne à l'occasion de ce bel événement. Il y aura parmi les invités Anthony Passeron, l'auteur du livre Les enfants endormis, qui est également le lauréat du jury La Galerne. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Bien sûr, vous retrouverez l'ensemble de ces événements sur notre site internet et sur notre page Facebook. Poursuivons avec le mardi 26 septembre à 18h, Agnès de Sarthe. Elle viendra présenter Le Château des Rentiers. Là aussi, c'est son nouveau roman qui paraîtra le 18 août aux éditions de l'Olivier. Éric Fotorino sera notre invité le jeudi 28 septembre à 18h. Son nouveau livre s'appelle Mon enfant, ma sœur et paraîtra le 21 septembre, quelques jours avant la rencontre à la Galerne, livre qui paraîtra aux éditions Gallimard. Terminons ce mois de septembre à la librairie avec notre invité Timothy de Fombelle, qui sera bien sûr présent avec nous le 29 septembre, 18h. Timothée est un auteur de livres jeunesse, vous le connaissez sûrement. Nous discuterons pendant cette rencontre de son travail, de ses romans et surtout de la série Alma, récit d'aventure sur l'esclavage et le combat de l'abolition. Cela se fait dans le cadre de l'exposition Esclavage Mémoire normande. Timothée de Fombelle sera d'ailleurs le lendemain, samedi 30 septembre, aux côtés de l'historien à vrai Tom Hugo Couvert, à la bibliothèque Armand Salacrou pour une discussion à 15h. Voilà, vous savez quasiment tout. Une dernière chose, n'oubliez pas, pendant l'été, puisque c'est les vacances, il y a le catalogue des conseils, des livres préférés des libraires de la Galerne à ne manquer sous aucun prétexte. D'ici à ce qu'on se retrouve en septembre, bon été, bonnes vacances et bonne lecture.